Et salut à tous, c'est Yens, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Dofus, cette fois-ci à la place bien entendu de Yens Adventure. Parce que voilà, j'avais pas vraiment envie pour l'instant de tourner un Yens Adventure, et voilà, comme je vous le dis, c'est vraiment par plaisir que je fais des vidéos. Et dès que vous avez pas envie de monter un grand épisode et tout, vous ne le faites pas, je vais mettre par 20 par le cycle. Oui, parce qu'on est sur Hagrid bien entendu. Or voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode voilà, d'explication de la nouvelle série qui va arriver sur Hagrid. Alors, j'espère que je vais passer les millions très vite et que bah, pour l'instant je suis niveau 50. Alors, en fait, le plus ça sera de faire une petite aventure. On va commencer ben, tranquillement niveau 50 avec 1 million. Et le but ce sera de se faire des kamas tout en montant de level, tout en s'abonnant sur ce serveur là. Parce que oui, normalement je m'abonne avec un autre serveur, avec mon autre personnage qui est plus riche, disons-le. Donc voilà, là cette fois-ci, voilà, c'est être plus. On va dire que ça va être plus difficile parce que voilà pour l'instant je suis à ouais 530 000 et encore voilà j'ai eu quelques petites ventes. Hein, vous voyez que les ventes de toute façon ça se fait très 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 vite de partout. Je crois que ouais, j'ai 48 000 kamas dans ma banque. Voilà. Alors voilà, le but ça va être de commencer avec ben, 1 million de kamas. Alors voilà, pour l'instant je pêche un petit peu, je fais tout ce que je pourrais faire pour essayer de monter très vite de level. Or sur Hagrid c'est extrêmement difficile hein, enfin. Paysan, je l'ai monté grâce à un almanax et je suis très heureux franchement parce que là je crois que ouais, je suis arrivé aux 1700 doublons. Il faudra plus que descendre éternel et tout, et après voilà je vais dès que je serai arrivé vers 4000 ou enfin 5000 doublons, je ferai mes 100 mes 1000 briochettes, comme ça je monterai très vite de level parce que franchement voilà j'ai plutôt envie de rusher les certains levels. Vous voyez que ça se vend extrêmement vite hein. Là je viens de vendre ça il y a quoi, même pas une minute, il y a encore, vous voyez je suis impressionné que ça se vend pas dans la seconde près. C'est vraiment ça en plus, voilà, c'est vraiment ça. Voilà, en fait, là, voilà, j'ai un petit peu augmenté, surtout paysan-pêcheur, paysan qui. Bon, c'est pourri en fait, hein, vous voyez les kamas que ça rapporte. Attendez, je vais vous donner un exemple. L'avoine, ça vaut plus rien. Le doublon, ça vaut rien. L'orge, ça vaut rien. Ça aussi, ça vaut rien. C'est inutile, enfin. Sauf le pain, mais encore, voilà, c'est juste pour rembourser les cendres éternelles et tout. Alors, bien entendu, je crois que tout le monde sait. Pourquoi tous les prix ont baissé? Je ne vais pas dire pourquoi, quoique si, allez, vas-y, je vais faire un petit coup de gueule. Ben, c'est à cause, je pense, de Sneakzy, voilà, parce qu'il a mis, enfin, il a fait un épisode bah, de FHTG, ah, désolé. Je crois que voilà, bientôt il y aura le pêcheur qui va aussi arriver. Ah, bah tiens, j'ai le numéro des sables. Ça va être un enfer, je vous jure, ça va être un enfer à monter ces deux métiers-là sur Hagrid. Et ça va rien rapporter, déjà que ça commence déjà à rien rapporter du tout, pêcheur. Paysan. Au début, ouais, il disait ouais, ça, les prix ont augmenté. Non, ça, c'est, il faut attendre en fait un petit peu de temps. Au bout de 2-3 semaines après la vidéo, tout le monde va commencer voilà un petit peu à très vite rusher les levels. C'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus d'achats, donc en gros, les prix vont rester même. Mais après, tout le monde va vouloir vendre. Voilà, tout le monde va vouloir vendre et en gros, après, les prix vont extrêmement baisser. Voilà, c'est le petit coup de gueule voilà de Jens. Hein. Voilà, fin du coup de gueule. Ensuite, continuons. Bah voilà, j'ai un petit peu monté aussi un petit peu mon alchimiste que je voudrais bien monter niveau 20. Parce que voilà, c'est un très bon métier, ça aussi, voilà, pour tout. Et après le reste et tout, tout est niveau 1 quasiment. Alors, voilà, franchement, pour moi, ça c'est niveau 1 par exemple. Je sais plus comment je l'avais augmenté. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris... J'avais un petit peu miné. Bon, voilà, c'est bon. J'ai un petit peu tout ce que j'avais à dire pour les métiers. Maintenant, on va faire la présentation. Donc voilà, qu'est-ce que ce sera le but de cette série? Clairement, ce sera juste pour le plaisir. Ce sera d'essayer de monter mon petit héliotrope, voilà. Alors j'ai fait un héliotrope feu. Je dois dire en fait qu'il est là que j'ai. Je vais le restat, hein. 100% sûr, je vais le restat. Vous inquiétez pas pour ça. Parce que le problème avec un héliotrope feu, porte attendez, le son est trop fort, j'en suis sûr à 100%. Thème. Non, ça. Audio. What the f. Bon, tant pis. De toute façon, là, on est sur Camtasia. Le son est plutôt facile à régler. Comment dire ça ensuite? Oui voilà, en fait voilà mon but ça sera vraiment de le monter pour le fun, ça un héliotrope, pas feu mais air hein, bien entendu, voilà le classique, celui en air. Ah, je peux enfin vendre mes runes, enfin. Et bien entendu pour l'instant voilà, j'ai un petit peu de stuff chance avec une panoplie mosquito, oui, parce que je suis pas très riche. Et surtout parce que je suis très radin. Et j'attends bien certains levels. Tiens aussi on va vendre nos galets saisonniers. Hop. Maintenant que j'y pense hein. Or ça, l'almanax, parfait pour vous donner de l'argent et de l'XP et des galets. Où est-ce que c'est déjà?
J'ai pas trouvé l'atelier des façonneurs. Voilà, ici. Habitude, voilà, mon but, ce sera voilà, de me présenter, je sais pas, en deux épisodes par semaine, voire un épisode par jour, franchement, ouais. Là, je suis un fou. Un épisode par jour, allez, pourquoi pas. Où est-ce que petit à petit, voilà, je monte mes levels. Alors, tiens, les galibistrés, j'en ai aussi un peu. Ça vaut rien, mais voilà, quoi, au moins on les vend. Je crois plus que ça se vend extrêmement vite, hein, ces machins-là, parce que ça sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup de craft. Désolé. Beaucoup de craft, ça, 5989. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, vous voyez, ça, on se fait déjà 27 000 kava. Bon, pour ça, c'est pas vraiment des astuces, parce que de toute façon, je sais très bien que les astuces Kama, c'est de ça, ça marchera pas très bien parce que ça se vend à une vitesse folle. Je sais même voilà, que les métiers aussi, voilà, je fais un petit coup de gueule et tout pour ça, pour paysan. Mais ça se vend très vite, tout ça sera à grid. Alors, bah, tant pis. C'est juste voilà qu'il faut attendre un tout petit peu de temps parce que voilà, il y a eu un idiot qui a baissé les prix. En fait, voilà, c'est. En fait, non, là, j'ai pardonné mon coup de gueule alors que je viens de faire un coup de gueule, c'est trop bête ça. Je suis pas très fort là. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cet épisode là? Alors, je pourrais vous montrer pour l'instant comment j'XP. Hein. Bon, après, voilà, c'est une XP assez facile, même si vous avez vu que j'ai que 10 sagesse. Hop là. Je pense en vrai, c'était juste l'annonce de la série. Or, comment j'XP? Alors, il y a déjà une astuce très 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 connue, c'est que vous allumez YouTube, vous mettez des vidéos en masse, et vous demandez à un groupe de vous XP au Cagny, qui sont voilà ici, là, au Land de Cagna, vers là. Vers là, là, là. Et vous allez vous faire bah, masse, pas beaucoup de Kama, mais beaucoup d'XP. Enfin, énormément d'XP si vous avez un bon groupe avec vous, quoi. Vous pouvez avoir un niveau 200 qui peut venir vous aider, quoi. Mais de toute façon, à Grid, à part 2-3 petits idiots, c'est un très 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 bon serveur pour moi. C'est même l'un des meilleurs serveurs. Voilà. Et sinon, alors voilà ce que je vous conseille. Tiens, ouais, c'est là le donjon des blocs, vous pouvez chercher. C'est d'aller à la Malle au Trésor, hein. Tout simplement, vous allez au champ de Cagna, vous allez ici, à pied. Si vous voulez savoir, de toute façon j'ai fait une chasse au trésor, j'ai commencé ici, me suis retrouvé à Astrub. C'est un petit peu la folie tout de même. Et franchement voilà, je l'ai fait en 10 minutes la truc. Franchement, vous allez très vite ici, ou alors vous prenez une potion de bonta et vous arrivez déjà ici. Vous allez à la malle au trésor. Et bon, avant le niveau 20, c'est un peu pourri, mais vers le level 40, l'XP est quasiment. Bah ça vous donne beaucoup d'XP, un peu de Kama, et après petit à petit que vous allez monter de level. Plus ça va vous donner d'XP, autant de Kama bien entendu tous les ben, pendant les 20 premiers levels, enfin pendant 20 levels par 20 levels, 20 levels. Dès que vous allez arriver niveau 160, là vous allez vous faire un gros pactole dessus. Voilà. Ensuite, voilà comment j'XP pour l'instant. Après bien entendu je ferai un petit tour sur Frigost. Hein. Je dois vous dire voilà, que moi j'aime bien rusher à mort. Rusher mes levels parce que ça. Enfin j'aime pas vraiment monter mes levels comme ça avec des combats. Plus ouais, j'ai pour l'instant zéro bon stuff, enfin je ne sais pas du tout quel stuff je pourrais me faire. Donc voilà, pour l'instant je me prépare un petit peu. Voilà, je vais me préparer un petit peu, voilà, je voudrais bien quand même monter, ouais, bah de toute façon ouais, je suis monté déjà niveau 49. Là je vais commencer peut-être à XP tout seul en solo aux Abraknid. Abraknid. Je vais avoir du mal. Et voilà, bon. Bah sur ce, combien de minutes de vidéo? Que 8 minutes, on a le temps, tiens, je vais vendre des trucs pendant cela. Voilà, on va papoter un petit peu, de toute façon c'est des épisodes détente et tout. Sinon, je réponds, enfin pour l'instant voilà, vous n'avez toujours pas voté. Enfin, je voudrais bien que quand même des gens voilà, votent aussi voilà, pour le prochain, comment se faire ces astuces schéma. Alors je serais très content voilà, parce que voilà, franchement là, j'ai vraiment envie pour l'instant voilà, de faire Coco Burio. De toute façon, voilà, j'ai commencé Coco Burio, je vous le dis. Mais je vais voir aussi entre Jol, voilà. Et sinon, bah, si des gens voilà, sont chauds par exemple, pour m'XP. Là franchement je prends franchement si vous êtes là pour m'XP et tout pour me dire certaines astuces comment XP parce que sont voilà ça les astuces d'XP moi je suis pourri de toute façon sur Dofus mon perso level max c'est 85 voilà en 2.0 c'est minable bon après voilà je monte plutôt mes métiers que le level ça se voit très bien quoique là franchement là sur Hagrid là j'ai monté très vite mes levels là je suis en train de chercher l'hôtel de vente des runes c'est ça? Rune, voilà, c'est bon, trouvé. Et donc en gros, voilà, mon but, ça sera vraiment de se faire ben, beaucoup de Kama. Enfin, mon but, voilà, sur la grid, ça sera de monter niveau 200 déjà, avec beaucoup de Kama, voilà, bon. Pour l'instant, c'est pas totalement
près. Enfin, pour l'instant, genre là, je me fais quasiment 0 kama. Quoique là, je vais d'y voir. J'ai un bonbon de sagesse. Ah. Mais attendez, le bonbon de sagesse, la sagesse, elle marche aussi pour les chasses au trésor. Ça, je sais pas. Je vais voir ça parce que franchement, sinon, je le garde un truc. Bon, vous voyez, j'ai des chigelax et tout à vendre. Hop. Alors, on va vendre nos petites runes. Ah, mais non, j'ai plus de runes. Bon, tant pis. J'ai plus de runes. Ah oui, parce que oui, j'avais fait un truc et tout, j'ai trouvé voilà que un truc à vendre. Enfin, j'ai trouvé une astuce qui m'aide ça pour 200 voire 300 000 kamas. Je vendais quelque chose à 450 000 kamas, sauf que ça se vend pas depuis 3 jours. Et quand ça se vend pas depuis 3 jours et qu'il y a masse de gens qui essaient de le vendre, vous dites, ah, il y a un problème. Je vais plutôt essayer de le briser. J'essaie de le briser 263%. Ça me rembourse. Ça me rembourse tous les items et je suis fait quasiment 0 kama, voire même j'en ai perdu 10 000. Pour vous dire. Donc voilà. Ensuite, alors. Voilà comment on voit chez mes astuces kama. Bah tiens, voilà, je vais vous montrer facilement comment faire une très vite. On peut pas? Ah si, on peut. Alors, je vais vous montrer très vite comment faire pour se faire. Enfin, pour faire une chasse au trésor. Quoique j'aime pas vraiment celles qui sont celles dans les villes. Bonta, ça peut aller. Brakmar, moyen, parce qu'elles sont souvent buggées. Enfin, en fait, c'est surtout celles du level 20 qui sont buggées. Et j'aime pas. Celles sinon de Citymot et tout, j'essaie de les éviter au max. Alors, je trouve qu'il y a aussi celles de Frigost à la fin qui deviennent totalement impossibles. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer voilà, comment on fait une chasse au trésor très rapidement. De toute façon, voilà, on est qu'à 11 minutes de vidéo. Et là, voilà, j'ai quand même envie de vous sortir du petit contenu, enfin du petit gros contenu quand même. Son voilà, c'est avec Camstasia. Franchement, là je suis en train de trouver peut-être, enfin, pour l'instant voilà, après j'ai bientôt j'ai voir si je pourrais l'acheter. Je crois que j'ai trouvé quand même franchement un truc parfait pour faire des vidéos, parce que la Fraps, après avoir fait sur Fraps, vous pouvez pas mettre la vidéo directement sur YouTube. En plus voilà, c'est moche. Bon, certes sur Camstasia vous avez pas mon intro et tout, quoi que mon intro de toute façon voilà, c'est un petit peu pourri limite, vous voyez, je m'en fous un petit peu voilà de pas la mettre. Mais ah, attendez, hop, on l'a où? On l'a où? On l'a, Bonta. Oh non. Bon, tant pis. Hop. Et alors, bien entendu, voilà. Avec Fraps, vous pouvez pas la mettre tout de suite parce que voilà, déjà j'ai mon intro ou autre. Et de toute façon, ça prend voilà, je sais pas, pour 5 minutes, ça prend au moins 7 heures. Oui, pour vous dire, 7 heures, c'est quand même pas mal énorme quand même, 7 heures. Voilà, c'est. C'est fou. Après, vous la mettez sur Movie Maker, ça prend 8 heures. Parce que voilà, bien entendu, je viens de mettre un petit peu plus de contenu. Après, il faut que vous la convertissez. Des fois, ça bug, la conversion. Donc, des fois, vous n'avez pas les épisodes. Et ça, c'est chiant. Ça aussi, c'est très chiant. Il faut quand même le prendre en compte. Attendez, un sac rapiécé. Je rentre voir s'il n'y a pas un sac rapiécé ici. Parce que voilà, tailleur, rapiécé, vous voyez. Attendez. Non. Moi, ce que j'aime pas, voilà, franchement, c'est quand vous zoomez, c'est tout en pixels. Ah, vous pouvez faire quelque chose parce que voilà, par exemple, là c'est parfait. Alors, non, il n'y a pas de sac rapiécé à 100% ici, hein, c'est sûr. Alors, moi, j'en suis sûr, voilà, que de toute façon, je vais me louper peut-être à cette chasse parce que c'est Bonta et Bonta, c'est l'enfer pour moi. Hein, enfin, les chasses au trésor dans les villes, c'est l'enfer. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? Ah, oui, voilà, après, vous devez la convertir et après, ça vous dure déjà 1h30, etc. Alors que là pour l'instant là j'ai fait des épisodes de 10 minutes via Camstasia, bien entendu, via Camstasia. Ça prendait même pas une demi-heure pour la mettre sur YouTube, la convertir, etc. et tout. Et tout ça sur Camstasia, même pas besoin d'ouvrir YouTube. Ça vous faites. Waouh, c'est la folie. Attendez. Hop. Bien entendu, voilà mon scape qui. De toute façon, voilà, vous voyez mon scape. Ah bravo, c'est très facile. Alors, voilà, le sac rapiécé. Enfin, ça, c'est pas un sac rapiécé, mais il y en a un là. Vous voyez, là, il y en a un là. En fait, voilà, faites gaffe vraiment aux peu. Mais vraiment toute petite. En plus, ça, c'est une petite chasse au trésor. Ce sont petits détails. Mais vraiment, certains peuvent être vraiment. Des détails un petit peu salauds. Alors, là, celui-ci, un tonneau couché avec. Enfin, vous voyez, un petit peu un. Bref, pour moi, ce que j'appelle un fût de bière. Il n'y en a pas ici, voilà. Vous voyez par exemple, ça, ces tonneaux-là, c'est pas des bons tonneaux. Comme ils ont dit, tonneau couché avec un robinet. Alors, franchement, là, c'est très facile à.
à trouver ça normalement. Il n'y en a pas ici, alors que je me suis dit, bah tiens, voilà, on arrive quand même. Et s'il y en a 100% pas, s'il y en a un ici, voilà, je rigole. Voilà, sur bon tas, de toute façon, après. Regardez quand même tous les bien les détails. De toute façon, voilà, au début, vous allez sûrement vous louper à mort. Je vous jure, vous allez vous louper. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, petit à petit, voilà, vous allez avoir un œil de lynx affûté. Et plus en plus, vous allez monter. Et vous allez réussir, voilà. Attendez. Et je vais avoir du mal, vous allez voir. Bon, il y a la prochaine taverne. Alors, c'est sûr, à 100%, c'est vers une taverne. Attendez, c'est plus logique que ce soit vers une taverne qu'autre chose. Tac. Je vois pas de fût de bière. Je vois pas de fût. Ah, je vois des tonneaux et tout, mais. Ah. Non, mais je trouve pas. À l'aide. À l'aide, j'ai réussi. J'ai fail. Je vais fail comme un idiot. Ah, voilà, c'est ça. Ok. J'espère qu'on va pas sortir. Si. J'étais en mode. Ah, ça a bugué le truc a bugué. Ou c'est moi qui me suis loupé. Et là, je vais. Oh non. Non! On sort, et bien entendu, voilà le fourreur sournois. Oh, les fourreurs, franchement, j'adore. Oh, on retourne en ville. Vous y croyez ça? Non, on n'y retourne pas en ville. Attendez, quoique. Non, 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 en fait, non, il n'y a pas d'indice ici à 100%. Enfin, même si elle est indice ici. C'est pas le bon point, attendez. Attendez, mais c'est l'enfer, ça. Outil. What the f. Alors là, je connaissais pas du tout cet endroit. C'est la première fois que je vais dans cet endroit-là. Je vous jure, les fortifications de Ponta. Alors, un outil, ça peut être, vous savez, une fourche. Alors ça, franchement, là, les outils, voilà, bien entendu, aidez-vous d'un site. Il y a masse de sites et tout dessus. Voilà, la fourche, outil, hop. Et j'ai réussi. Oh non, elle devient géante. Bon, tant pis, fourreur baveux. Oh, fourreur baveux du premier coup. Là, franchement, je vous jure, en plus, on a beaucoup de chance. Panneau sculpteur. Mais là, on est près de l'atelier sculpteur. Alors, normalement, on devrait avoir un panneau. Alors, pas ici à 100%. On va peut-être être ici là pour avoir le panneau. Tac. Attention, panneau sculpteur. Ici. Hop, fourreur chafouin. Bah, bien entendu, là, pour l'instant, on fait des allers-retours à l'infini. C'est un petit peu fou. Bien entendu, voilà. Tout est démarqué de toute façon ici là pour les indices de chasse. Utilisez-les, c'est important. Par contre, là voilà, en fait, là franchement, ouais, j'ai peut-être appelé ça, c'était un épisode détente. Bien entendu, le prochain, je ferai vraiment. Si vous voulez, voilà, je vous fais un tuto hein, si vous voulez sur la chasse au trésor. On peut les réussir facilement pour tout réussir facilement quoi. Parce que c'est pas si difficile que ça en fait. Quoique des fois, oui, il peut y avoir des bugs. Oh, pente, voilà. Pente, quand vous faites aussi vos chasses, prenez les ressources. De toute façon, tout se vend. Tout se vend. Donc prenez les ressources. Voilà. Ça se négocie limite même pas ça. Attendez, attendez, là je viens de me louper. Hop là. Stopper mon perso. Mon personnage. Voilà. Ok, bon là maintenant faut faire encore un aller-retour parce que de toute façon, voilà. Il n'y a jamais d'indice comme je vous l'ai dit. Là où il y a des points. Bon voilà, si vous voulez, franchement là, je vous fais un gros tuto si vous voulez, hein, franchement, pour les chasses au trésor. C'est assez. Franchement, voilà, ceux qui me disent voilà qui loupent leur chasse au trésor et tout, que c'est difficile, c'est que vous n'êtes pas entraîné ou alors que vous avez la flemme quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est vous avez soit la flemme, soit vous avez pas de chance aussi. Voilà, il y a aussi la faute à pas de chance. Mais c'est facile, enfin. Et en plus, voilà, vers la fin, ça rapporte des kamas de mort, je crois. Enfin voilà, niveau 180, vous allez avoir des fois. Enfin, je crois bien voilà que c'est pas tout le temps. Mais vous êtes de toute façon, enfin je crois que non, vous avez quand même beaucoup de trucs, vous en avez jusqu'à. Bah, vous en avez 100 à 1000 ou un truc comme ça, je sais plus. Je crois même que c'est beaucoup plus, c'est 10 000. Et là encore, je suis peut-être en train de vous mytho un petit peu, je sais pas du tout, je m'en rappelle plus. Et juste 100, c'est 17 000 kamas. Si vous crachez dessus, pour 10 minutes, une grosse XP. Plus ça, c'est. Non, vous avez pas le droit, vous avez pas le droit. Alors laissez-moi la chasse quoi. Même si voilà on peut pas se laisser les chasses. Voilà pour l'instant là on est obligé de trouver. On est censé trouver hein, enfin une caisse. Là je vais avoir du mal. De toute façon voilà, les deux premières étapes en fait ça va être les étapes principales, quoique des fois vous pouvez avoir aussi trois étapes. Mais en fait vous allez avoir que. Bah en fait vous allez avoir une grosse étape, une deuxième grosse étape, enfin là je parle des étapes normales.
Et après, vous allez avoir un truc où ce que vous avez un ou deux indices à trouver un corps. Et après, vous avez le combat. Alors, le combat du coffre, moi, que je le fais avec le chevalier destru parce que bah c'est facile. Hop. Non. Non, non, s'il vous plaît, me faites pas passer par le bois de Litnek. Je déteste cet endroit. Plus sur la même, il y a des trous et tout, c'est chiant. Non, c'est saoulant. C'est saoulant, moi, je me casse. Hop. Alors là, pour l'instant, il y a de la chance parce que j'ai de la chance parce que les gens sont en train de clean. Parfait. Je trouve pas de caisse. J'ai dû la faille. J'ai dû la louper de droit. Ouh là là, mais je crois que ça va être un fail cette vidéo. Vas-y, clean-moi l'endroit. S'ils peuvent me clean l'endroit. Tac. Oh, mais ils sont gentils. Mais ils sont tout mignons. C'est bon, c'est parfait, merci. Hop. Alors, là, pour l'instant, la campagne, vous trouvez pas au bout d'un moment. L'indice, prends des fois moi que ça m'arrive des fois que ce soit 11 cases incluses, enfin normalement c'est marqué 10 cases et des fois ça peut être 11 cases. Et en fait voilà, le but voilà, c'est que vous essayez d'aller le plus loin possible et tout. Dès que vous dites, enfin dès que voilà, vous êtes arrivé au moins à 15 pour moi, truc, case, truc, bravo, vers 15 cases, voire vous êtes arrivé au bout, ça veut dire que soit vous avez loupé la caisse, ce qui peut arriver, hein, voilà, franchement, enfin vous avez loupé l'indice. Soit que le truc est buggé, soit que vous avez loupé quelque chose. Et alors là, franchement, voilà ce que je vous conseille. De toute façon, là, je vais le faire. Hop, c'est de faire ça. Et là, de toute façon, voilà, je m'étais loupé déjà. Bien avant. OMG. Oh, attendez. Mais en fait, j'ai trouvé le panneau sculpteur. Mais c'est le panneau des sculpteurs, ça, on est bien d'accord. Oh. Mais c'est quoi leur truc? Ok. Alors là, ça veut dire là, en fait, là, qu'il y a un gros. Gros problème. Il y en a un ici. Oh d'accord. Voyez, voilà, là je me suis juste loupé et tout, et voilà, c'est pour ça que j'ai pas trouvé de caisse. Fourreur chafouin. Ah, là putain, je suis en mode. Ah oh, non, mais je viens de me louper pour ça. Voyez, voilà, franchement, c'est ça, c'est les trucs là, qui peuvent vous sauver la vie. Même si ça vous fait perdre un essai. Et de toute façon, voilà, normalement, dès que vous êtes arrivé au coffre, les 3 quarts du temps, vous soufflez. Si vous avez un chevalier d'astre, bien entendu, voilà, de toute façon, ça coûte que 60 000 kama et tout. Ou alors faites vos succès. Et franchement, vous serez beaucoup plus content. Enfin, vous aurez beaucoup plus de. Voilà, de. Je sais plus comment on appelle. Vous aurez plus de facilité, voilà. Franchement, voilà, c'est juste ça. Parce que sinon, si vous faites sans. Comment dire. Chevalier. Vous allez galérer, mais là, je vous jure. Enfin, pour moi, c'est impossible. Maintenant, faut trouver un fourreur. Oh non, mais faut trouver un fourreur maintenant. À l'aide! Non, ça va, les fourreurs, encore, c'est très facile. J'ai pas envie d'aller dans le bois de Litnek. Là, il est là, il est là. S'il vous plaît, faites-moi. Oui, yes, il me faut revenir par l'arrière. Plus, on a vu la charrette au moins 356 fois. En passant par là. De toute façon, voilà, je suis à 23 minutes de vidéo. Là, je vous jure, je suis en mode OSEF. De toute façon, là, je suis en train de le tourner à la veille. OSEF. Je vous jure, c'est vraiment ça. Hein. Là, clairement, voilà. Si... Maintenant, je viens de trouver le bon site. Enfin, le truc pour qui est bien pour filmer, c'est parfait quoi. Donc ensuite tac 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 fourre fourbe. Alors là, pour l'instant là on a beaucoup de chance parce qu'en fait on a un fourreur tout une fois sur deux, voilà, vous pouvez pas voir, je crois bien que voilà, on peut jamais avoir deux fourreurs d'affilée. J'ai loupé un ortie. Voilà, je vous jure, pour les là tout ce qui est ortie et tout, je prends parce que ben c'est du sacré pactole tout de même, hein. C'est. Enfin, je suis très voilà qu'après les soches, c'est aussi un sacré pactole. Hop. Oh là, il est à 100%. Voilà, il est à 100%, comme je disais. Barre de métal courbé. On a des indices plutôt sympathiques, ça va. Voilà, quand vous êtes en fait dans les villes, voilà, parce que je suis un petit indice, un petit truc à vous dire comme ça. Si vous êtes dans les villes, ça va être, les indices vont être très 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 très. Vous n'allez pas en trouver très. Comment ça s'appelle? Je viens de voir deux fois une rune pare-feu. Ouais. Vous allez avoir les indices qui sont très 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 proches. Mais ça va être très difficile. Alors que si vous êtes hors des trucs, vous allez avoir les indices extrêmement éloignés. Alors là, des fois, je vous jure, c'est des indices de fou.
Barre de métal courbé, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Ça va, là on l'a trouvé à 100%. Hop là, merci. Fourreur sournois, on en a qu'un seul, super. Et on a en plus un fourreur. Non, là je vous jure, là c'est vraiment la chance. Parce que normalement, vous avez. La chance comme ça, c'est. En plus, voilà, très peu d'endroits. C'est parfait. Bon, et voilà. Maintenant, après, on arrive au combat. Alors, très simplement, moi, ce que je fais, c'est que je fais. Attendez, ça. 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 Alors, versatile, on pourra pas le faire. De toute façon, voilà, ça rapporte rien, versatile. Et bon, voilà, ce que je fais, c'est très simple. Je mets un portail ici. Et je mets focus sur mon chevalier. Hop. Et deux fois aussi distribution. Tiens, voilà, on va lui mettre distribution. Comme ça, après, il a plus qu'à aller dans un portail. Là, je crois que je vais me le louper. Bon, tant pis, voilà, on va pouvoir tout pousser comme ça. Et à pouvoir infliger masse de dégâts. Et prendre, je m'en fous totalement de mourir. Je vous jure, je m'en fous totalement parce que de toute façon, mon chevalier d'astru va survivre à 100%. Hop, tac. Et voilà, pour l'instant, vous vous occupez juste des portails. Bien entendu, voilà, c'est. Vous avez d'autres facilités, je pense, avec d'autres classes. Mais voilà. Et hop, c'est fini. Ah non, c'est pas fini parce que voilà, je crois que j'ai plus focus. Je vais sous le tel portail, mais j'ai plus focus. Tant pis. Enfin, je vais mettre en. Voilà, je me suis mis pour entrer aussi en. Sans le décor. Et voilà, vous avez réussi à faire votre quête. Alors voilà, l'expérience ouais, qui est juste insane. Et ça, je crois que c'est parce que. Voilà, enfin, voilà, c'est selon, en fait, je crois bien, ouais, le nombre de coffres rouillés que vous avez. En gros, voilà, vous divisez par 4. Parce que voilà, des fois, vous allez avoir qu'un seul coffre rouillé. Mais c'est quand même intéressant, franchement, voilà, on a pris combien de temps? On est arrivé à. Voilà, on a pris même pas. Ouais, 15 minutes et encore, voilà, j'ai galéré. Et des fois, je prends même pas 5 minutes, voilà. Enfin, là, en moyenne, je prends 5 minutes. Pour l'XP, ça donne. C'est mieux que XP gaining avec des gens, quoi, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? On tient un petit pack. Deux parchemins dorés, ouh là là. Bon, les roses et ça, par contre, j'en fous totalement. Parchemin blanc, on s'en fout. Parchemin blanc, on s'en fout. Parchemin blanc, on s'en fout. Sont, voilà. En plus, voilà, ça vous rembourse les kamas du zap. Et plus vous serez de level, bien entendu, plus ça remboursera. Les parchemins dorés, je crois, ouais, ça coûte extrêmement cher. Oh là là, et 20 000 cam, enfin 20 000 d'XP, je m'en fous un peu. Et ça pense à court, tiens. Et bon, voilà. Et donc, je crois voilà qu'on va finir cet épisode ici, hein, sur un petit, comment s'appelle, combat réussi avec 4 coffres rouillés et 2 parchemins rouillés, enfin dorés. Bla. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Je vais essayer de changer quand même ce. Cet équipement qui devient totalement moche. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!